Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir un nouvel artiste qui vient du Gabon et qui s'est installé au Sénégal. Il s'appelle Aiko, le titre s'appelle Demain. Il a sorti ce titre-là il y a 2 jours. Je regarde la description, peut-être que tout ira mieux demain. Découvrez mon nouveau clip demain disponible sur YouTube. Artiste Aiko, compositeur Double Z, label SK Music, montage des clips William, Nengin, Yemba, sa direction artistique et styliste. Merci à Sylvestre pour me l'avoir envoyé. Pure dinguerie de ce que j'ai entendu. Donc, on va checker ça. J'ai écouté quelques secondes. Je me suis dit, il y a quelque chose, il y a de la matière à travailler, il y a de la matière à parler de ce gars-là. Donc, on y va. Ça vient du Gabon. Let's go. Hors de l'eau, dégaine un petit flotteur. Le temps c'est de l'argent, le temps et l'argent on a pas. Comment pas finir TikToker? Je veux pas commencer, je veux que la vie m'enseigne. Les blessures sont intérieures, mais là mon c'est fort, c'est fort. Voilà, c'est fort. Bad news, mauvaise nouvelle dans le check. Pour la victoire, faut rencontrer l'échec. Donc pas avec le négro, c'est les fakes. Est-ce qu'on a évolué dans le désert? La neige à le vivre dans le désert. On pas en plus, mais je sais que demain. Peut-être que tout ira mieux demain. Le mixage est très bon aussi. Mais demain. Il est intéressant de ce qu'on peut entendre. Il est vraiment intéressant. Il a une bonne voix. Il a vraiment des mélos de fou, un flow hyper impactant. La perfection est tellement simple à atteindre que la réalité devient facile à cramer. Je mets à quel prix pour qu'elle tremble. Ouais, bon, ça va vite en dernier là, ça en train de vivre. Je remplis mon verre ou pas. La prod, elle est franchement bien méchante en plus. Ça va super bien avec son style. Pas de mauvaise nouvelle dans le texte. Pour la victoire, faut rencontrer l'échec. Sans pas avec un négro, c'est l'effet. Hey, il tente, hein, franchement, il tente des trucs. Hein. Tu entends, il y a des lips derrière les bacs. Demain, peut-être que tout ira mieux demain. J'ai mon avenir en premier demain. Mais demain, peut-être que tout ira mieux demain. Aïe, 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 franchement. Franchement, un pur bijou ce qu'il a proposé. Il avait le sourire fort à la fin. Franchement, lourd, lourd. J'étais obligé de partager. J'ai vu, j'ai entendu que c'était chaud. C'est vrai que bon, le visuel est plutôt simple en termes de visuel parce que bon, c'est au studio, etc. Mais je crois que le premier clip qu'il avait balancé, enfin le dernier clip qu'il avait balancé, il était. Je mets juste une petite. Voilà, il était un peu plus. Il était même bien bien chaud. Je devrais mettre une oreille et un visuel dessus. J'ai vu qu'elle avait sorti un son il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit autant le faire celui-ci. Donc du coup ouais, c'est pas forcément simpliste, c'est plus bah voilà, elle a voulu changer d'atmosphère, d'univers en termes de visuel. En tout cas, c'est un très beau titre. Il y a des belles choses, il tente des choses dessus. J'ai l'impression qu'il a pas mal de liberté au niveau direction artistique. Il tente des choses, tu l'entends. Il essaye pas mal de choses. Le refrain, il y a vraiment des choses intéressantes à écouter et à partager. C'est pour ça que j'ai fait la réaction. Il y a des bonnes choses. Il a des belles mélos. Il a une voix hyper méchante pour ce style-là. Franchement, il peut tout péter si jamais bah, il arrive à continuer à persévérer, à être productif et à avoir des belles connexions. Mais en tout cas, oui, c'est prometteur de fou. Ça vient du Gabon, il est au Sénégal, il va tout déchirer, poto, il va tout déchirer. Donc big up à Sylvestre et shout out à Aiko, son titre qui s'appelle Demain, allez streamer ça. Est-ce qu'il est déjà disponible sur les plateformes de streaming? Il y est ou pas? Un titre, je vois rien. Alors je bête avec les deux. 6 points et non, je vois rien. Aiko, demain, bon, dur à trouver. Tu vois, quand c'est comme ça, quand c'est pas forcément évident,
à trouver. C'est bien de. Non, c'est pas ici non plus. C'est bien de mettre dans le lien, la description, dans le lien directement pour les plateformes de streaming. Et genre, tu sais, le lien où il y a toutes les, où il y a tous les réseaux, le lien Spotify, les liens Apple Music, etc. Parce que pas évident de trouver avec tous les haïkus qu'il y a. Donc en tout cas, c'est lourd, c'est bouillant, ça vient du Gabon et ce gars-là est prometteur. Il envoie du très très lourd et franchement, on peut que être positif en écoutant ça et en voyant ce qu'il propose. Franchement, c'est ouf. Et surtout, le côté artistique qu'il propose, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend d'un artiste qui peut aller très loin niveau carrière, tout simplement, niveau futur lointain, on peut le voir facilement faire des gros scores avec ce genre de titre. Et je pense que ça peut intéresser plus d'un d'avoir un gars comme ça en feat. Et tu vois, cette touche, il a vraiment ce truc un peu authentique. Il n'a pas ce genre de copier-coller, etc. Il a vraiment son style, sa voix, sa façon de poser. Et son univers, tu vois. Donc franchement, chapeau bas et force à lui. Aiko, demain. Et voilà, tout droit du Gabon. C'est chaud. On se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.